Allez, vite, c'est là. C'est ici, c'est même. Dépêche-toi, dépêche-toi, prends la main. Vite. On y va. Pourquoi c'est déjà allumé ici? Qu'est-ce qui se passe? Bon, salut à tous les amis aujourd'hui. Ferme bien la porte. Tiens, je te donne la clé. Ferme la porte à clé. Bon, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, si vous avez suivi ce qui s'est passé hier, c'est un truc de fou. Là, c'est la suite. Vas-y, mets-toi là. En gros, vas-y, monte. Je monte, hein. Attends, on va déposer d'abord dans les chambres. Bon, les amis, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a dû quitter notre maison. On a dû partir de chez nous parce qu'il s'est passé trop de choses. En gros, bon, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps maintenant. Bon, vas-y, pose la valise ici. Ça va être ta chambre. Là, logiquement, il y a une deuxième chambre pour moi, les amis. Ouais, c'est bon. Mais c'est bizarre, tout est allumé. Écoute, c'est peut-être normal. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui est rentré avant nous, là. Tu crois? Bon, les amis, ce que je disais, bon, c'est que il s'est passé quelque... Quoi? Maman. Ah oui, ta main, elle a guéri, pour ceux qui ont suivi la vidéo, il a eu un gros problème à la main. Ça va, j'ai récupéré. Pendant qu'il était en train de dormir, il s'est réveillé avec une douleur et sa main était énorme, enfin bref. En gros, ce qui s'est passé, les amis, chez nous, c'est qu'il se passait trop de trucs paranormaux, on entendait des gros bruits, il y a des objets qui se déplaçaient tout seuls, du coup, on a décidé de déménager. Donc là voilà, c'est le nouvel endroit où on va habiter, je pense pour pas très longtemps, parce que bah voilà, vous voyez, c'est un peu trop grand pour nous tout ça. Le souci, c'est qu'on a dû abandonner notre ancienne maison du coup. Attendez, regardez là, il y a une salle de bain. Ah, franchement, on va être bien pour l'instant. Et Lily Rose, pour l'instant, veut pas rentrer ici parce qu'elle a trop peur. Là, vous vous demandez certainement où est Lily Rose. Bah, en fait, on a dû la laisser dans la voiture parce que la pauvre, cette nuit, il s'est passé plein de trucs dans sa chambre. Du coup, là, elle veut plus rentrer. On lui a dit qu'on avait loué un nouveau truc et tout. Vas-y, on va monter. Ah bah, franchement, ouais, franchement, là, on va être très bien. Là, je pense que... On va prévenir Lily Rose quand même. Ouais, non, mais de toute façon, là, je pense que c'est pas du tout hanté ici. Normalement, regarde. Il y a un sac. Non mais il y a déjà des gens qui habitent ici, c'est pas possible, c'est déjà occupé. Non mais... Ah, c'est quoi ça? Non mais... C'est le téléphone rouge. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Tu l'as eu comment l'adresse ici? Bah tu l'as eu comment l'adresse ici? J'ai loué. J'ai loué sur une application pour louer des appartements, pour louer des maisons, quoi. À mon avis, on nous espionne et puis... Ah non, mais je sais pas. Non, mais attends, vous reconnaissez, les amis? Là, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez ce que c'est? Attends, il a encore de la batterie ou pas? Même pas. C'est le téléphone rouge. Attends, mais même ça? Mais c'est mes lunettes. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Mais j'en sais rien. Et les amis, je vous jure, c'est la première fois, c'est la première fois que je rentre dans cet appartement de ma vie. On l'a loué, on a attendu dans la voiture, on l'a loué il y a 2 heures. On a attendu dans la voiture pendant 2 heures. Je suis jamais rentré ici de ma vie. Non mais attendez. Et en plus ces lunettes là, je les ai pas achetées il y a 15 ans. Je les ai achetées il y a 3 semaines, même pas. Et c'est pas possible que quelqu'un ait les mêmes. Et le sac, je l'ouvre pas, moi. Non, le sac, on l'ouvre pas. Je le prends pas. Attends, il ressemble à ton sac en plus, mais c'est le même. Je crois que c'est vous. C'est la même marque, vas-y, ouvre-le pour voir. S'il y a tes affaires à l'intérieur, vas-y, ouvre. Et les amis, pour ceux qui savent pas ce que c'est le téléphone rouge, en fait, c'est un téléphone qu'on a trouvé dans la rue. Et ce téléphone, quand on l'allume, enfin, des fois il s'allume tout seul, il sonne en pleine nuit, il nous donne des rendez-vous. Il nous dit par exemple, il faut aller à tel endroit, sinon il va se passer ça cette nuit chez vous. Et le problème, c'est que si on fait pas ce que le téléphone rouge demande, bah chez nous c'est le bazar. Enfin bref, c'est une trop longue histoire pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais il était chez nous, on l'avait enfermé dans un coffre-fort chez nous. On l'a même filmé en vidéo, on a tout montré en vidéo. Et là, on arrive dans une nouvelle maison. On pense que tout va bien se passer. Et là, comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton sac, t'as vérifié? Bah oui, il y a mes affaires, il y a mes papiers et tout dedans. Oh, c'est une blague. Bon, les amis, franchement, là, je vais poser mes affaires ici quand même. Parce que moi, j'ai beaucoup d'affaires. Vas-y, enlève mon manteau là pendant que je suis en train de tenir la caméra. Oh, parce que c'est trop. Je sais pas si on va pouvoir se poser. Bah, je sais pas. Hein, elle va pas vouloir venir. Hein. Bah non, mais si je pense que de toute façon, je pense que c'est trop risqué. La lumière est allumée. Non, mais c'est trop risqué de la faire venir. Il s'est déjà passé trop de choses. Les amis, là, on a commencé la vidéo quand on est rentré dans l'appartement. Ça fait 4 minutes. En 4 minutes, il s'est déjà passé plus de choses que dans notre maison en un an, quoi. Chut. Tu vérifies. T'entends? J'ai entendu des pas. Pas toi? Attends. T'as entendu, là? Ça venait d'en bas. Attends, on dirait que ça vient de là-bas. On dirait que ça vient vraiment d'en bas. Bon, les amis, je vais laisser mes affaires ici. J'espère que je vais les retrouver. Y'a quelqu'un ici? Y'a quelqu'un? Eh oh!
Y a quelqu'un ici? Ouais, c'est pas marrant, hein. Si vous êtes là... C'est trop bizarre. Ouais, non, mais si vous êtes rentré, ça tombe, c'est la personne qui fait des bruits chez nous, c'est la personne... Ma valise, elle est là. Ouais, bon, attends, on va allumer toutes les pièces, franchement, là. Attends, y a quelqu'un dans le dressing, peut-être? Non, là, mais c'est même pas un dressing, c'est la chaudière. Y a quelqu'un ici? Non, franchement, même dans le jardin, regardez, y a personne. Putain, mais c'est sûr, y a un bruit. J'entendais pas, c'est quoi, ça? Y a personne ici? Là, c'est une salle de bain, il y a... Attends, peut-être ici... Non, mais il y a personne, mais c'est incroyable! Non, mais franchement, les amis, je pense qu'on sera jamais tranquille. Même si on déménage, il va se passer des trucs de dingue. Bon, il y a rien, regarde, c'est un peu... Ouais, non, mais d'ailleurs, c'est trop bien, on va pouvoir rentrer les affaires. Ah, parce que... Non, ah ouais, c'est vraiment ici, énorme, c'est vraiment une pièce à part entière. Mais tu... Non, mais tu ouais... Ici, bah, les amis, le problème, c'est que là, notre maison, je me vois pas y retourner. Non, mais je sais pas toi... Va voir si les affaires sont encore en haut. Parce que moi, j'ai peur qu'on prenne nos affaires aussi. Oh, les amis, moi, je me vois pas rentrer dans la maison, chez nous, parce qu'il s'est passé trop de choses. Franchement, vous l'avez vu dans les autres vidéos, on reçoit carrément des objets chez nous. C'est trop. Alors ici, même s'il y a des choses bizarres qui se passent, même si on entend des bruits, ça sera toujours mieux. Parce que là, franchement, je veux pas retourner. Même Lily Rose, je pense qu'elle... Ça va ? Je pense que Lily Rose, elle voudra pas rentrer ici non plus. Je pense que les amis Peppa Pink et Lily Rose vont prendre un hôtel. Parce que là, c'est beaucoup trop de choses. Ça va? Eh oh! T'es où? Eh oh! T'es où? Attends, mais il est pas en haut. Mais c'est quoi ce délire? Peppa Pink! Peppa Pink! C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit sur la... Le téléphone rouge? Attends, mais c'est volatilisé là? C'est quoi ce bazar? Je l'avais posé sur la... Peppa Pink, t'es où? Vous êtes qui? Vous êtes qui, monsieur? Non, mais il y a quelqu'un! C'est lui qui a pris le téléphone rouge! Non, mais c'est... Oh, punaise. Y a plus Peppa Pink. Il a dû partir dans la voiture avec Lily Rose. Et dès que je me retrouve tout seul ici, il se passe des choses bizarres. Bon... Les amis, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, moi, je vais rester la nuit ici. Vous inquiétez pas. Je vais tout vous filmer. À mon avis, c'est une nouvelle aventure. Ouais, ah, t'es là. Venu, Lily Rose, elle veut pas venir. Non. Il y a un gars qui est venu. De quoi? Avec une cape noire. Comme un vieux. Sérieux? Non, arrête. Si, je l'ai vu, il était là. Il était où? Il était là. Et le téléphone, je viens d'en bas, le téléphone Esteban. Rouge est plus sur la table. Je viens d'en bas, Esteban. Le téléphone rouge est plus sur la table. Bon, les amis, je pense qu'on vous a montré suffisamment de choses dans cet épisode parce que, à mon avis, il y aura plein de choses à suivre. N'hésitez pas à rester connecté à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like et le plus important, ce qui me fait le plus plaisir, cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là ou allez voir une autre vidéo sur cette chaîne et suivez bien parce qu'à mon avis, on n'en a pas fini avec cet appartement. Allez, à plus.